Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Acclamons pour Jésus-Christ. Dis, je proclame que Jésus m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dis, je proclame que Jésus m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans son royaume. Dis-lui merci maintenant. Alléluia. Dis, je proclame qu'en Jésus-Christ, j'ai la rédemption et le pardon des péchés. J'ai la rédemption et le pardon des péchés. La rédemption veut dire que quoi? Que Dieu te rachète. Alléluia. Vendu par tes propres péchés, vendu par l'idolâtrie de tes ancêtres, Dieu te rachète par le sang de son Fils. Dis, je suis racheté et je suis pardonné.
Quand vous écoutez les oppressions, vous entendez le serpent a fait ceci, un animal a fait ceci. Ce sont des démons qui réclament les enfants qu'ils ont achetés, qui leur ont été vendus par l'idolâtrie. Alléluia. Donc nous allons commencer cette croisade en détruisant chaque soir, sauf si l'esprit nous conduit autrement parce qu'il est vivant. Il faut annuler les engagements démoniaques qui permettent aux démons de te suivre. Même quand tu ne veux pas, tu donnes ta vie à Jésus, mais ils sont toujours là. Alléluia. Les sœurs qui rendaient témoignage ici, ce sont des enfants de Dieu. Le serpent veut rester. Même comme elles ont cru, mais le serpent veut rester. Que personne ne vous trompe, que si quelqu'un donne la vie à Jésus, tous les démons vont s'enfuir en même temps et qu'il n'a plus besoin de délivrance. Ceux-là ne connaissent pas le combat spirituel. Alléluia. Jésus dit, je vous ai donné mon pouvoir. Il ne dit pas que je vais vous donner. Il dit, j'ai déjà donné. Il dit, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il y en a qui pensent que le diable est déjà dans l'enfer. Nous étions en Belgique, une femme a dit, qu'elle croyait que mais les esprits là, c'est fini, quand on meurt, c'est fini. Il dit, ah bon? La Bible parle du séjour des morts, qu'on ne doit même pas les invoquer, parce que Dieu sait qu'on peut les invoquer. Il y aura un jour où la mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux et ils seront jetés dans le lac de feu. Ce jour-là, on appelle ça le jour du Seigneur, un jour terrible. Il ne faut même pas rêver que Jésus est venu et tu n'étais pas parmi les sauvés. C'est un mauvais rêve, très mauvais rêve. Alléluia. Parce qu'il peut se confirmer si tu es endurci. En donnant ta vie à Jésus, Jésus t'a transporté. Il t'a pris d'une famille et il t'a déposé dans la famille de Dieu. C'est écrit. Il nous a transportés dans le royaume des ténèbres à la lumière. Il nous a établis dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Nous sommes maintenant les membres du corps de l'Église dont Jésus est la tête. Est-ce que tu crois à ça? C'est là où vient ta délivrance. Le reste là, c'est qu'on va seulement ramasser le butin. Je ne sais pas comment s'appelle ta grande famille. Tu n'es plus de cette famille-là. Avant, tu étais étranger à la famille de Dieu. Maintenant, tu fais partie de la famille de Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Et il dit, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Quand Dieu te regarde, tu n'as pas de péché. Il voit le sang de Jésus. C'est un mystère.
Donc quand le petit démon qui ne connaît pas ça, il connaît mais il se débrouille. Il se dit, je vais essayer pour voir s'il connaît son père. Alors il touche un peu. S'il voit que tu commences à trembler, il te laisse, il s'en va appeler ses frères, que tous n'ont pas compris. Nous souffrons ici pour rien, tous n'ont pas compris, allons. Et là, tu as des problèmes, même dans la maison de Dieu. Alléluia. Sans tâche, sans défaut, sans reproche. Dis merci Seigneur. Alléluia. Qui connaît le nom de sa famille? Ta famille biologique. Il y en a qui connaît le nom de sa vraie famille en Christ. Bon, maintenant tu vas dire à Satan, tu sais, je ne suis plus de cette famille-là. Ce n'est pas de ma volonté. Jésus a décidé. Il dit, ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, cela ne dépend ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, proclame-le. Dis, Satan, tu le sais, que ceux qui croient en Jésus, ceux qui le reçoivent dans leur vie, reçoivent le pouvoir de devenir des vrais enfants de Dieu. Et là, si tu n'as pas encore reçu Jésus, et écoutez très bien, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, c'est le moment de le recevoir maintenant pour ne pas être hors des rangs. Alléluia. Écoutez très bien, écoutez. Je sais que le diable a des problèmes ce soir. Alléluia. Écoutez, ça c'est très important, sinon il y aura deux camps dans la salle. Quand nous avons invité les gens, certains ne connaissent pas Jésus. Donc, il faut toujours les amener avec nous pour qu'ils soient bénis. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Non, asseyons-nous d'abord. Qui veut recevoir Jésus? Finissons ce dossier-là. Venez devant ici. On va vous conduire à Christ tout de suite et on sera un. Chantez-nous un chant qui peut exprimer heureux celui dont les péchés sont pardonnés. Chantez-nous ce chant-là. Lève-toi et viens rapidement, s'il te plaît. Lève-toi et viens. Nous allons combattre un seul cœur, une même âme, un même esprit. Porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, sans qu'il parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel, il est en paix. Péché, lève-toi et viens. Règne dans ma vie. Je ne pouvais m'en séparer. Ma conscience était vraiment tourmentée. Si tu vis encore dans le péché, lève-toi et viens. Il m'a plongé
Vous voyez, le combat contre le diable s'est fait au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus s'est donné à la croix pour nous sauver. Quand il était à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et il a envoyé les apôtres en leur disant « Allez annoncer cette bonne nouvelle à toute la création ». Et l'évangile nous a atteints. Et ce soir, tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. Fais de moi un enfant de Dieu. Parce que quand nous allons combattre, nous disons à Satan, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut que ce soit vrai dans ta vie. Et tu verras les miracles qui vont s'accomplir. Parce que les démons qui te tourmentent sont là parce qu'ils te réclament. Tous les péchés commis sont là pour les attirer. C'est comme les mouches, les démons sont comme les mouches. Quand il y a une mauvaise odeur, les mouches viennent. Donc quand tu pêches, tous les démons viennent. Même si tu ne les veux pas, ils viennent. Et pour les chasser, il faut leur dire que toi tu es un enfant de Dieu, qu'ils ne te suivent plus. Quand ce n'est pas vrai, ils rient même. Ils disent que, qu'est-ce que celui-ci raconte. Et ils ajoutent même encore les problèmes. Donc vous allez dire à Jésus, nous sommes là. Chacun lui dit, Seigneur, je suis venu. On ne m'oblige pas, je t'aime. J'ai péché, c'est vrai, mais pardonne-moi. Alléluia. Tu dis à Jésus, je reconnais que j'ai fait des mauvaises choses, mais pardonne-moi. J'arrête, c'est fini ce soir. Fais de moi un enfant de Dieu. Et puis, l'Église va intercéder pour vous. Et vous allez maintenant vous joindre à nous pour vous séparer de toutes les malédictions, de l'idolâtrie criminelle des ancêtres, des grands-parents et des parents. Ces choses qui te suivent partout, que tu dors, les esprits viennent coucher avec toi. Tu ne veux pas, ils viennent. Toute ta vie, c'est la malchance. Si quelqu'un a un... Et bien, dès que tu t'approches de quelqu'un, il a des problèmes. Les gens sont obligés de te fuir. Ça va finir aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous avez... Écoutez le témoignage. Un frère a vu en vision qu'un serpent avait été arrêté, attrapé. On a fendu le ventre. C'est lui qui était dans le ventre du serpent. On appelle ça l'envoûtement. Tu ne meurs pas, tu es vivant, mais rien ne marche. Ou alors tu as des maladies inexplicables. Tu vas à l'hôpital, on dit on ne voit rien. Alors que tu es dans un cercueil. Les sorciers se disent, ne le tuons pas, mais envoûtons-le, qu'il meure pauvre. Alléluia. Mais l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils veulent la délivrance sans Jésus. Mais ce soir, nous t'avons présenté d'abord Jésus, avant de te parler de la délivrance. Donc, ton engagement de ce soir est très sérieux. Alléluia. Parce qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute la justice de Dieu. Et ces choses vous seront données par-dessus. Ce sont des cadeaux. Alléluia. Levez vos mains comme des petits enfants devant leur père. Commencez à parler à Dieu. Demandez-lui pardon sincèrement. Tendons nos mains et prions pour eux. Ori che berete le basomboro cose che cete che ristarra mare alla vaca bebe alla vaca alla vaca alla vaca suro vaca suro vaca alla suro vaca alla vaca duro vaca vaca suro vaca alla vaca. Père, que la grâce de Dieu
soit accordé à ses enfants. Pardonne leurs péchés. Écris leur nom dans le livre de vie. Lave-les dans le sang de Christ. Que tous les démons qui les poursuivent soient jugés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils se retirent et qu'ils ne reviennent plus jamais. Père, nous bénissons tes desseins dans leur vie. Nous bénissons tes desseins dans leur vie. Et nous bénissons ceux qui vont les bénir. Et nous élevons l'adversité de Dieu contre leurs adversaires. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez-nous. Maintenant, tenons-nous debout. Dis Satan. Satan. Tu sais toi-même. Que j'aime Jésus-Christ. Personne ne m'oblige. Je l'aime de tout mon cœur. Et je l'aimerai jusqu'à son retour. Et jusque dans l'éternité. Tu sais que j'étais dans le monde. Je regrette. Parce que c'est une vanité. Il n'y a rien dans le monde. Dis, je proclame que je ne t'appartiens plus. Dis, tu sais que Jésus m'a transporté et m'a établi dans son corps. Il m'a pris des ténèbres et m'a transporté dans son royaume de lumière. Je n'ai plus de part avec la famille biologique. Tu dis le nom de ta famille. Je n'ai plus de part avec la famille. Dis, je proclame que leurs malédictions ne sont pas mes malédictions. Tout leur envoûtement ne me concerne pas. L'idolâtrie ne me concerne plus. Jésus m'a lavé, Jésus m'a lavé. Jésus m'a lavé, Jésus m'a lavé, Jésus m'a lavé, Jésus m'a lavé, Jésus m'a lavé. Dieu, au nom de Jésus, je juge l'activité des démons. Je juge l'activité des démons. Et les esprits de mort. Et tous les esprits de mort qui les sont associés. Je juge l'activité de ceux qui sont vivants. Je proclame que Jésus m'a établi dans son corps. Et au nom de Jésus, je proclame que les pactes sont annulés. Toutes les alliances de Satan sont annulées. Et je prends l'autorité qui est en Jésus pour tout déchirer, pour tout briser. Et nous sommes allés à Koumé. On a délivré une jeune fille là-bas. Elle a donné 9 personnes à la sorcellerie. Elle était petite, elle avait 6 ans. Sa grand-mère l'a appelée. Ils étaient nombreux. Il les a lavés. Mais à son tour, elle l'a plongé même dans l'eau, là, dans la cuvette où il y avait de l'eau. Il y avait le piment dans ce eau-là. Elle l'a lavé, elle lui a donné, elle a bu. La grand-mère est décédée. Un jour, elle dormait. Quelqu'un l'a réveillée. Elle s'est levée en sursaut, elle a couru vers son père. Son père lui dit que je ne t'ai pas appelé. Va te coucher, prends le somme là, tu vas lire. Elle dit, elle ne s'est plus couchée. Elle est restée assise jusqu'au matin.
la nuit suivante, on vient encore la réveiller. Cette fois-là, dès qu'elle s'est réveillée, ils l'ont amenée. C'était la première sortie en sorcellerie. Sa grand-mère, qui est déjà décédée, elle est venue la chercher. Sa grand-mère lui dit, va dans la famille de ton père. Prends les noms des gens que tu viens donner. Donc, dans la journée, elle demande, celui-ci s'appelle qui? On lui dit, celui-ci s'appelle qui? On lui dit. Elle va, elle donne les noms là-bas. Et quand elle donne un nom, ils maudissent le nom, les maladies, la pauvreté de son père a perdu tout. Alléluia. On lui a fait, en tout cas on a fait des proclamations. Quand elle a été délivrée, dans la nuit, elle voit qu'il y a beaucoup de serpents. Ils ont tué et ramassé dans les seaux pour aller verser des seaux de serpents tués. Elle est devenue joyeuse. Ses parents sont heureux. Donc prends cette prière au sérieux parce que tu ne sais pas qui a donné ton nom là-bas. Les gens pensent que quand on t'amène dans la sorcellerie, tu meurs. Non, on ne meurt pas toujours. Tu peux rester vivant, mais ils ont tout pris, tout. Tu peux même vivre plus que ceux qui sont en bonne santé. Mais tu es malade, tu ne meurs pas, c'est là. Tu es pauvre, les riches même meurent. Toi, tu es là, pauvre, tu ne meurs pas. Ils ont tout pris. Et quand tu es délivré, les choses qui étaient bloquées vont défiler dans ta vie. Et j'ai reçu un message, c'était hier. Nous avons organisé une croisade à Paris du 3 au 9. Il y a une dame qui est venue, son mari est musulman. Ils ont cherché l'enfant, ils n'ont pas trouvé. Dès que nous sommes partis, avant même notre retour, parce qu'on a fait plusieurs pays, elle a eu un retard. Elle est partie, le test confirme la grossesse. Alléluia! On lui a donné un rendez-vous le 16 août. Elle m'a envoyé un message. J'ai vu les appels à l'annonce. Après, j'ai lu un message que nous étions à l'hôpital, le bébé se porte bien, je me porte bien. Frère, Jésus est vivant. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour dire que Jésus est vivant. Ce qu'il a fait à un, il peut le faire à tous. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc prie avec foi, mets ta petite foi dedans, même si c'est comme un grain de sénévé, tu auras du bénéfice. Il y a des choses, Dieu ne demande même pas que ta foi grandisse ici. Si tu l'as seulement un peu là, sème ça. Il dit, c'est là, il va te donner ça comme un cadeau. Donc quand tu dis je n'appartiens plus à telle famille, c'est une grande bataille que tu mènes. Nous étions en train de chasser un démon. Je demande au démon, qui es-tu? Il dit, les Nougens. C'était la première fois que j'entendais un démon qui porte le nom d'un être humain. J'étais d'abord désorienté. Après, je me suis... Et pendant que j'étais en train de réfléchir, le démon dit, mais c'est ma fille. J'ai dit, mais comment? Elle dit, non, ne me chassez pas, je suis malade, j'ai beaucoup d'enfants. Si vous me chassez, je veux mourir. On a donc compris que la bataille était très sérieuse. Je lui ai dit, non, ce n'est plus ta fille. Jésus l'a déjà sauvée. Alléluia. Après, beaucoup de résistants, il a dit, votre Dieu est puissant. Dis, je proclame que je n'appartiens plus à la famille. Moi, je dis la famille de Bikele. Dis, je proclame
que ce n'est pas une décision qui vient de moi. C'est Dieu qui a décidé. Et dit, à partir de maintenant, je commande à tous les démons, à toutes les malédictions, à tous les blocages qui résistaient dans ma vie, de disparaître. Continue à prier pour toi-même maintenant. Kolori kabana zamika yanta yeme kere bata koria kazaba kasega rama sagana kore baka je baka rama je baka kore je baka kore kama je baka kama je baka kore je baka kore 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 je baka kore kama 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 je d'envoûtement dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Je proclame ma liberté. Continue à prier pour toi-même. Dieu, au nom de Jésus, je me sépare des maladies héréditaires. Je brise le lien avec toutes les maladies héréditaires. Parce que mon héritage vient maintenant d'en haut. Car il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, c'est qu'il n'y a pas de changement ni homme de variation. Il est ma richesse, il est mon héritage. Je me sépare de tout héritage de maladie, de pauvreté. Je brise le joug de la pauvreté héréditaire. Dit, il ne sera pas dit de moi, tel père, tel fils, parce que j'appartiens à Jésus. Continue à intercéder. Kalabalaka saka baka saka baka saka baka. Chaka baka saka baka laka baka saka baka. Yura baka saka baka laka baka saka baka. Dieu, au nom de Jésus. Attrape ton frère par la main. Dis, nous écrasons la résistance. D'un commun accord. Nous brisons toute résistance. Maintenant, si tu as mené un combat seul et que la victoire n'a pas encore été donnée, c'est maintenant le temps d'achever le dossier. Si un démon t'a résisté, et tu vas tomber maintenant. Tu as attrapé la main de ton frère. Le démon même qui réside là sait déjà que c'est grave pour lui. Dis au nom de Jésus. Nous brisons la résistance. Alléluia. Dis au nom de Jésus. D'un commun accord. Nous brisons la résistance. Et nous donnons l'autorité aux frères. Nous brisons la résistance. Satan,
Va-t'en. Lève ta main droite. Dis, nous brisons la dernière résistance. Dis, nous renversons les obstacles. Dis, nous chassons les maladies. Dis, nous jugeons les esprits de mort. Dis, nous écrasons la rébellion. Au nom de Jésus-Christ. Dis, Satan, va-t'en. Sors. Dis au nom de Jésus, je reçois la guérison qui vient de Dieu. Je reçois la guérison qui vient de Dieu. Dis Saint-Esprit, pénètre en moi, renouvelle mes organes. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que les mains sont sur ta tête, tu exerces ta foi, tu reçois la guérison de Dieu. Et le Seigneur t'opère, il t'opère. Si c'est un problème de cœur, tu dis, je reçois la guérison de mon cœur. Si c'est le foie, tu dis, je reçois la guérison de mon foie. Si c'est les reins, tu dis, je reçois la guérison des reins. C'est le temps de grâce. Tu ne mérites pas ce que Dieu te donne. Mais il te donne par amour. Si c'est les yeux, tu dis, je reçois la guérison des yeux. Dis, je lave mes yeux dans le sang de Jésus. Si c'est les trompes, tu ouvres la trompe gauche, la trompe droite, tu nettoies par le sang de Jésus. C'est le temps de grâce, c'est le temps de grâce. Et tu dis, Seigneur, je reçois de toi la capacité de procréer. Oh Saint-Esprit, tu ne fabriques pas ce que tu ne crois pas. Tu proclames ce que tu crois. Je ne dis pas que tu sens ce que tu crois. Même si tu es encore, même si ta température est encore à 45 degrés, si tu crois que tu es guéri, tu proclames que tu es guéri. Prions ensemble.
Lève ta main droite. Prie pour quelqu'un qui n'est pas dans cette salle. Appelle son nom, tu dis, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qui a un témoignage urgent? Viens vite. Moi, j'ai le frère Saïdoua Rodrigue. Je suis mon frère de disciple, c'est le pasteur Thaddeus Stéphane Junior. Frère, il faut dire que cette histoire de renversement des principautés, au début, parce que j'ai cru, ça fait au moins 6 à 7 mois maintenant. J'ai douté un peu de tout ce qui se faisait. Mais mon pasteur, le pasteur Thaddeus est quelqu'un de formidable. Il m'a exhorté et il m'a toujours dit de méditer beaucoup. Et frère, il faut dire que la nuit de jeudi à vendredi, la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai fait un songe. Et je n'ai jamais eu de victoire dans les songes. Et la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai rêvé sur ma famille paternelle. Frère, il faut dire que du côté paternel, les gens sont beaucoup mystiques. Et il y a un autre qui est un grand mystique. Et ils sont venus le prendre hier. C'est comme s'il était avec lui. Et moi, quand ils sont venus, j'ai dit, ah, moi, il appartient plus à cette famille-là. Et je suis parti, j'ai pris ma direction. Je les ai laissés. Et je suis revenu encore vers lui. Je vois qu'ils sont kidnappés. Ils ont pris tous les gens de la famille. On les a pris en otage. On les a mis dans un gros cadre sur un 10 place. Et il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, toi, la passe ici. Il a dit, moi, il ne passe pas. Il ne passe pas de cette famille. Il appartient à Jésus. Il est l'enfant de Dieu. Il ne suis plus de cette famille. Laissez-moi en paix. Il est écrit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Frère, quand il a dit ça, ils ont bougé. Ils ont eu peur. Il dit, mais dis-donc. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il est écrit, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Frère, ils m'ont lâché en paix. Acclamons pour ce secours. Amen. Je suis la sœur Annick Uebi. Je suis de la zone de Cocodier. Mon frère de disciple est l'ancien SOLOS Olivier. Amen. Lorsque nous étions en train de prier et que notre papa avait parlé de l'esprit de mort, du diable qui devait prendre ses bagages et autres, j'ai eu une vision. Et dans la vision, c'est comme si on était à cet endroit. Et il y avait un être qui était juste à côté, un être bizarre. Mais il avait un long pagne, le pagne Zassa, mais très sale, très, très, très sale. C'était une loque. Il avait des affaires à l'intérieur. Et lorsque nous avons commencé à prier pour que le diable parte, cet être-là a ramassé ses affaires. Il dit, ah, c'est chaud par ici. Je m'en vais. Et il a plié les affaires qui étaient dans le sac sale, et bon, dans le pain très sale. Il y avait plusieurs affaires. Il les a pliées et les a mis sur le dos. Il a commencé à fuir et il est parti de l'autre côté. Et je veux rendre grâce au Seigneur. Acclamez pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Audrey Cissé. Je viens de Toumaudi. Mon faisant disciple s'appelle Aou Brigitte. Je voulais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré des maux de tête appelés sinusite. Et après la prière, je n'ai plus ressenti la douleur. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on priait dans mes rêves, quand je dors, je mange la nuit. Je mange. Je n'arrive pas à refuser la nourriture dans mes rêves. Et quand on était en train de prier, j'ai dit au Seigneur de me délivrer. Et j'ai rendu ce que j'ai mangé au nom de Jésus-Christ. Et je sais, le Seigneur m'a délivré de tout breuvage, de toute nourriture dans mes rêves. Je lui rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Moignon Jean-Clovis, disciple du pasteur Eli Godi. Tout à l'heure, avant qu'on ne commence la prière, j'avais froid. Mes frères, quand nous avons commencé la prière, j'ai insisté comme un vaillant. Je vais commencer à sauter en insistant, en jugeant. Et actuellement, je suis guéri. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Emmanuelle, la professeure de la sœur Angéline. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. On peut dire, quand j'étais au CMD en 2013, un peu de maman vendait, ça, elle était partie chez elle.
quand on venait faire accident à une moto, il y avait 4 personnes sur la moto. Et ça, on a pris le problème, même qu'on n'a pas l'argent, qu'on va rester. Et ça, quand il ne pouvait pas respirer, il faut qu'il y avait l'asthme. De 2013 jusqu'à 2017, il y a l'asthme tous les jours, mais pas déjà ma maman. Parce que c'est dit que c'est faux, que j'ai eu mort. Il dit merci à Dieu, quand on a commencé à prier, il a dit que maladie de l'asthme, maladie respiratoire des poumons, que cette maladie disparaît. Il me s'est dit parce qu'il m'a délivré de l'asthme. Quand on priait, mes poumons me faisaient très mal. C'est quand j'ai arrêté de prier, dire au nom de Jésus-Christ, Amen. Il y a quelque chose qui a pas dans mes poumons, puis mes poumons se sont calmés, mais donc ils respirent. Elle ne rentre pas dans mes poumons, en fait, c'est que je respire totalement. Amen.